pas de mouvement, pas de jeu, pas de grinta, c'est vrai, hein, y avait rien quoi. Vous voyez que pour eux ils étaient déjà qualifiés en fait. J'ai pas trouvé ce qu'il y avait. C'est des bonnes recrues, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut que la mayonnaise, si elle prend pas, quelqu'un comme Nolan Roux, on a acheté Nolan Roux qui a marqué, je crois, 9 ou 10 buts l'année dernière. Et un attaquant comme Merding, il avait marqué 9 buts l'année dernière. Donc c'est un peu l'équivalent. Quoi, Nolan Roux, il fait de la sape. C'est vraiment quelqu'un qui fait de la sape. Continue. Comme les deux saisons passées, là, entre la 4e et la 6e, 7e place. De toute façon, les concurrents n'ont pas mieux recruté ou pas mieux bougé. Enfin, ça n'a pas beaucoup évolué dans le marché français. Donc les équipes seront à peu près les mêmes. Je pense que notre place, elle est entre la 4e et la 7e place. L'année dernière, on est parti pareil. Et puis, tu vois, on a fait une belle saison quand même. Après, je pense que c'est les joueurs qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête que déjà, il faut gagner des matchs à haut chaudron. Des équipes comme ce soir, parce que je pense que les équipes à venir, ils vont aller à Toulouse dans 8 jours. Je pense que là-bas, il faudra qu'ils fassent un gros match, parce que s'ils font le même match que là, qu'aujourd'hui, ils vont prendre 3-4-0.